غادي سلن كوديني صباح الخير فال واني لقينا من صبحيت زعما شنو ردين كودي انت غير من هالعين تكوباني كنا نمد نافق ديك وبني تي ديرها سوسي وسط تساوي للبابورات غادي صباح الخير مسكودي و ثاني ميرت مين في العربه تاخر مدام ميرسي بوكو ما بانيتي ثاني ميرت لي كي كتي داغا نسكسي غنزورو مسكودي بلاك دوينا يعني يخدمن والسنه طاس يعني القريشه طاس يجمس لايين في اللاس دغا فين يعني ملي نافيق يحصلون لو انا ديال من زمان الدنيا كاية دي دي كيرا من لي بور نسمو راه لجنس دي شو من زمان الدنيا غير تمسك تاكيا من نسكو ديالي الوغ اش يسمع عندنا ديجا اون بومي ليو سي كو يا دو ليكزاجيراسيون كان يعني ما طاس هو زالي تمساتي فوالا ما طاس هو زالي باسكو فو سافوار كو Les inspections, les contrôles de navires dans les ports est une activité courante. Tous les navires du monde, qui sont mis de, il y a un peu de technique. Donc il y a tous les navires du monde sont contrôlés régulièrement au niveau des ports. Donc, il est tout à fait normal que nos navires soient contrôlés, à l'instar de tous les navires. Quand il y a un contrôle, on trouve de temps en temps quelques défaillances, des défaillances, mais chez des défaillances, parce qu'il faut être très. Quand on fait un contrôle, ce qu'on a parlé, post-state, les contrôles sont effectués par. Ce qu'on appelle les états du port. On les appelle communément les port state control. Donc, il vient avec une checklist, un port state, il rentre, il monte à bord du navire, il est avant bord, avec une checklist, il fait le contrôle minutieux de tout le navire. Il arrive qu'il constate une défaillance. Et cette défaillance, parfois, le port state, le contrôleur, il dit, voilà, cette défaillance, elle doit être levée avant le départ du navire. Parfois, il y a le week-end, donc on n'a pas assez le temps d'acheter la pièce, de faire appel à des ateliers pour faire la réparation. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Et d'une manière technique, tous les navires sont soumis à ce type de contrôle. Donc je dirais que c'est une activité, ça fait partie un peu de la routine pour toutes les compagnies du monde. Tout là, cette histoire de retard de paiement, c'est aussi exagéré dans le sens où toutes les compagnies, mais si les compagnies nationales, même à l'échelle internationale, elles traversent à cause de la pandémie, elles traversent quelques crises de finances, elles ont quelques soucis de finances et tout le monde est au courant que la CNAN Nord, par exemple, toutes les sociétés néerlandaises, elles ont du mal à payer leurs employés. Voilà. Tout le monde est au courant, mais c'est vrai, il y a des retards de paiement, mais il faut savoir que la CNAN, elle a bientôt, dans 2 ans, donc c'est une compagnie qui n'est pas présentée, elle est connue mondialement. D'autant plus qu'elle arbore pavillon national. Pavillon national, c'est un pavillon avec lequel on ne badine pas. C'est très sérieux. Celui qui veut arborer pavillon national, il doit répondre à des exigences extrêmes. On parle ici de la nationalité algérienne. Donc juste pour vous dire que c'est un peu, ça a été exagéré. Cette histoire de paiement. Donc, cette histoire de retard au paiement, voilà ce que je peux dire à ce sujet. La CNAN est là, elle était là, elle existe et elle existera toujours. Oui, yani c'est sûr que Belek Diaz, sur le ministère de transport, bien sûr que les navires. Pour qu'ils puissent appareiller, il faut de l'argent. Et tout est pris en charge justement pour que ces navires puissent appareiller le plus tôt possible. C'est fait en sorte. C'est un truc sérieux qu'il faut mettre, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens
pour les libérer les navires. Donc c'est quand les lent trois qui dit mourant les jeunes donc il y en a un qui est mort en France. Et on il est à Gent, il est en Belgique. C'est le Timgad. Il est le Sawa, il est à Brest. Et le troisième, il est en Espagne. Mais juste pour vous dire qu'il y a de l'exagération dans le type d'information, il y avait même le Tamnaraset qui était immobilisé à Marseille pour des raisons purement techniques et pourtant que le bureau vérité, enfin la société de classification nous a donné un délai de réparation jusqu'au 2 décembre, mais ils nous ont quand même, le PSC a obligé le navire à faire des réparations avant départ. Mais certains détracteurs parlent il a été mobilisé à cause du retard de paiement, alors que ce n'est pas du tout ça. Juste pour vous dire qu'on a tendance un peu à la nouvelle et qui profite de Karl de nous la Karadine. Vous avez senti qu'il y a un masse codé, il y a un stégé, il se donne des conventions internationales, il y a des différents égards, 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 il y a des différents égards. Bien sûr, vous savez, toutes les compagnies du monde sont soumises au respect de ce qu'on appelle l'ISM Code, l'ISM Code International Safety Management. Donc chaque compagnie du monde à son propre système de gestion de la sécurité qui doit être conforme à l'ISM Code. L'ISM Code n'est que le prolongement, n'est que l'amélioration de la sécurité des navires depuis le naufrage du Titanic en 1912. Il y a eu donc, on a mis en place un système pour gérer la sécurité des navires. Donc depuis 1912, il y a eu ce qu'on appelle la création de la SOLAS. La Bible du marin. La SOLAS, c'est Safety of Life at Sea. Donc de la SOLAS, il y a eu des améliorations au fil des années, parce qu'il y a eu des événements. Donc à chaque fois, des incidents et tout, on est arrivé. C'est ce qu'on dit, le pauvre Guérin, les ports Guérin, au deuxième, il y a eu des problèmes techniques, ou là, le pauvre Guérin. Le pauvre Guérin, il y a eu des problèmes techniques, ou là, il y a eu des problèmes. Et donc, Niram, quand. C'est qui décèle les défaillances, ce qu'on appelle les prescriptions. Mais elle s'énerve, la négligence, il y a rien de fou, nous, le Hadj al-Nadal, la petite misère, il y a rien de chlass, ni khdamen, ou rien de quelqu'un qui se prend un problème technique, qui dit voilà. Problème technique, il faut savoir ce que c'est qu'un problème technique. Ce sont des prescriptions. Zahir, elle dit tafta warqat, juste pour vous dire, c'est quoi une prescription? Il ramène, il me dit, qui est les documents du navire? Vous me donnez les documents du navire, donc le navire, il circule avec les documents. S'il trouve un petit truc, un petit qui manque, il me dit, voilà, c'est une prescription. Donc parfois, ça n'a rien à voir avec l'état technique du navire. C'est juste, c'est une prescription parce que ce n'est pas conforme au système de management de la sécurité de la compagnie. Rien que pour ça, le navire peut être immobilisé. Rien que pour ça. Juste pour vous dire que, parce que, je ne dis pas, c'est très important tout ça. Donc c'est juste pour que la compagnie, les bords soient familiarisés, le chef d'île le plus conforme possible. Mais ce ne sont pas des aspects techniques, parce que le chef d'île, c'est pas comme les gens ont tendance à le penser. Je suis que ça va venir de la Belgique. Si c'est vraiment un problème technique, il n'aurait jamais atteint la Belgique. C'est juste pour vous dire qu'il faut définir le concept de la technique. C'est un truc documentaire qu'on n'a pas. Peut-être qu'il y a eu un mauvais classement à bord, ils l'ont retrouvé juste après parce qu'ils échangent des documents. Le commandant, il donne au chef mécanicien un document, le chef mécanicien, il a oublié de le remettre dans le classeur. L'auditeur, enfin, le contrôleur, il le demande.
ce n'est qu'après qu'il actuellement, nous avons 5 navires. 5 navires. Nous avons, vous savez, les navires diffèrent par leur type. Ça, trois navires porte-conteneurs, un chute porte-conteneur, elle est spécialisée uniquement dans le conteneur. Mm-hmm. Il ne peut pas charger autre chose. Mm-hmm. Elle est conteneur. Mm-hmm. Ils ont ce qu'on appelle des box spécialisés. Ils sont spécialisés dans le conteneur. Nous avons deux ce qu'on appelle des general cargo, donc ils peuvent transporter et les conteneurs et le divers, ce qu'on appelle les marchandises diverses. Mm-hmm. Voilà, nous avons cinq qui sont actuellement en activité. Et Knalmed, pourquoi Knalmed? Parce que c'est une IRAM, au départ il y avait la CNAN. La CNAN, en se restructurant, elle a créé CNAN Group avec des filiales, CNAN Nord et Knalmed. CNAN Nord est une compagnie qui fait la même activité que CNAN Med, sauf qu'elle le fait dans une région géographique précise. C'est le Nord-Europe, c'est les États-Unis, le Canada notamment. CNAN Med, elle fait l'activité de ligne, ce qu'on appelle de ligne régulière au niveau de la Méditerranée. La CNAN, CNAN Nord et CNAN Med, c'est actuellement à Achal-Louabar. Achal-Louabar, c'est vers les CNAN Nord. Tanach. Pourquoi j'ai dit 10? Parce qu'on vient, c'est récemment qu'on vient d'acquérir deux nouveaux porte-conteneurs, le Sirta, le Janet et le Sirta. Voilà, c'est pour ça que j'ai tendance un peu certaines choses, parce qu'ils sont tout récents. Vous parlez de CNAN Med. Oui. CNAN Med actuellement, donc nous avons, avec les 5 navires, nous avons une capacité navale, qui est dans le jargon maritime. On peut charger 5000 conteneurs. Ils peuvent charger 5000 conteneurs. Nous avons la capacité navale de charger 5000 conteneurs. Mm-hmm. Actuellement, nous les chargeons convenablement, je dirais à 90% de leur capacité navale. Mm-hmm. Donc, CNAN Med, elle fait, malgré la pandémie, nous avons quand même, nous exploitons nos navires, c'est-à-dire nous optimisons nos navires comme il faut, malgré la pandémie. Donc, il y a un petit rime, 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 il y a un petit rime. Bien sûr, parce que tu sais, même si on dit un programme ou un plan d'action, fashion qui travaille et qu'on a demandé de voir qui va se gérer les richesses, nous c'est où c'est où il va voir des morceaux. Bien sûr, vous savez qu'il n'avance pas recul. Hein. Actuellement, on sait les navires, mais nous ne comptons pas rester en si bon chemin. Il faudra donc développer, mais c'est ça le développement du pavillon national. Il y a tout un plan de relance qui est en chantier et qui concerne le pavillon national. Parce que faut savoir que nous devons récupérer une part de marché d'au moins 25% de ce qui vient et qui part d'Algérie. Vous savez, déjà l'importation qu'elle. Nous avons, l'Algérie importe pour l'équivalent de 44 millions de tonnes, toutes marchandises confondues. Mm-hmm. Nous importons 44 millions de tonnes, 36 millions de tonnes, ce sont des marchandises hors conteneur. Le reste, entre 8 et 10 millions de tonnes, c'est des marchandises conteneurisées. Mm-hmm. Donc les 44 millions de tonnes aiguilles, la CNAN ne représente pas n'a pas une grande part de marché. Déjà, dans les 36 millions, elle n'a aucune part de marché, la CNAN. C'est des étrangers qui le transportent. Le reste, tout ce qui est conteneurisé, nous représentons à peine 6%.
Monsieur Yanni Bizer. C'est pas beaucoup, justement, d'où l'intérêt, justement, d'augmenter un peu nos parts de qui a développé la flotte pour augmenter nos parts de marché. Tu as dit que 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 تدويلت مازالت تميل لذيذ نين بقينا غمس كوديل نور دين نساغي ذا من هالعليا نتكو بانيت كنان مادة تكو بانيت ديل هاسو سيوال ست نتاويل لبوا برا دي ثمورتنا تكو بانيت ثغنو نعم كيس قال الملاح البحرية ضغط بشكل بلاك مدن اسفا من أطاس ذا شو غيق معنى ناس كنان مادة مس كوديل نور دين ذا شو إديرنو نيا ذا شو إتالنو تكو بانيت نيا القديش نتكو بانيت كنان مادة إلي كونومين تمورتنا يعني إث دمسان تمورتنا غساقية Alors, Benjamin Diner, Knalmed, avant de couler d'Hadraf Knalmed, il faut que je parle un peu où je suis la Knan, de manière générale. La Knan, en 1963, elle avait trois missions. La mission première, c'était assurer la sécurité des approvisionnements. La deuxième mission, c'était de réguler le fret par une tendance à la baisse. La troisième mission, c'était d'encourager les opérateurs à acheter en FOB, c'est-à-dire payer le fret en dinars. C'était les trois principales missions de la CNAN. Oui. Voilà. Les missions n'ont pas beaucoup changé, parce que, les navires, la CNAN avait beaucoup de navires, nous étions leader africain, avec le nombre de navires, on avait plus de 70 navires à l'époque. On sillonnait. Où c'est Guinche ? Voilà, un général de. La CNAN n'en a que 12, et 12, les deux derniers, on les a eus récemment. 12, on ne va pas changer le monde avec 12 navires. Hein. Donc, on était un pays, avec juste après l'encouvrement de notre indépendance, on s'est positionné en leader africain, et on avait beaucoup d'ambition. Et d'où ce slogan, on avait cette mission et on a réussi dans notre mission. Hein. Mm-hmm. On a réussi à avoir, par exemple, le blé, tout ce qui est céréales. C'était la CNAN qui transportait le blé de l'OIC, de l'ONAB, tout ce qui appartient à l'ONAB. Donc on a mis en place un système qui pouvait assurer notre sécurité des approvisionnements. Et puis on imposait un peu notre vision en régulant le fret. C'est pas n'importe qui dictait le fret à l'opérateur national. Il y avait la présence de la CNAN. Et puis, à l'époque, aussi, on encourageait, les gens venaient, ils achetaient en FOB. Donc, ils ne déboursaient. Le fret n'était pas payé en devise, il était payé en dinar. Donc, à un moment donné, la CNAN était... Il y a eu un déclin, à un moment donné. Dans la fin des années 90, il y a eu quand même un déclin. Les navires Ninsazik se sont retrouvés vieux, ils ne répondaient plus aux exigences du marché, donc on était dans la contrainte de les céder. Donc à un moment donné, on s'est retrouvés presque Vladwabar. C'est pour ça qu'il y a eu ce sursaut. Oui, il fallait donc renouer avec la flotte nationale. Il y a eu ce business plan qui a été lancé en 2009 et on a commencé à acheter. Même les nerfs 12, c'est pas pour rester à 12. Alors, on a acheté les deux derniers navires. Hein. Le Sirte et Janet, c'est des conteneurs. Chaque type de navire a son prix. Je parle des le Sirte et Janet qu'on a acheté, ils ont coûté à l'État 27 230 000. Tout là, le marché pour celui qui veut vendre son navire, c'est un marché très porteur. Actuellement, le Sirta Nord Janet, il coûte près de 40 millions de dollars. Donc, le Kani de Norlva, voire l'Octentura,
on aurait été obligé de payer 12 millions de plus. Mm-hmm. Juste pour vous dire que le marché évolue en dents de scie. C'est qu'il a, on a bien, est-ce qu'elle est, on a bien, est-ce qu'a, tout dépend du marché. Les bons armateurs, ce sont ceux qui savent à quel moment acheter, à quel moment vendre. Les Grecs qui sont champions d'acheter. Ou le cas qui se parle dans la dorée, la question est non, on se fait des choses qui disent nous, il y a une économie nationale, mais on a des choses qui disent que nous sommes nous, on va nous faire un peu de temps, on va nous faire un peu de temps. Vous savez, qu'est-ce qui fait l'économie nationale? Le fret, nous avons dit le fret. Le fret représente à peu près 4 milliards de dollars. Sur les 4 milliards de dollars, ça veut dire que les 4 milliards de dollars, le fret, tout est en devise. Donc tout est au bénéfice des armateurs étrangers, puisque nous ne représentons pas, le pavillon national ne représente pas grand-chose, à peine 6%. C'est pas beaucoup, et puis 6% c'est dans la région méditerranéenne. Hein, je parle pas parce que on va pas développer ça dans le détail sur l'organisation de transport des armateurs étrangers, mais juste pour vous dire que si on arrive à économiser, alors imagine si on avait la capacité de transporter toute cette marchandise, on aurait économisé 4 milliards de dollars. Le crédit est là, puisque ça évolue. Ça évolue au fur et à mesure. Donc, plus il y a le marché, plus il y a les échanges commerciaux, plus le fret augmente. Donc, imagine que nous puissions économiser à l'État les 4 milliards de dollars. C'est beaucoup. Et comment on peut gagner les 4 milliards de dollars? C'est en gagnant les parts de marché. Plus nous existons, plus nous augmentons, plus nous économisons au pays les 4 milliards de dollars que je m'en rends dans l'AGL, donc ils font l'économie de transfert. Maintenant, je vais vous dire, c'est que vous dites, oui, d'être là maintenant, c'est sûr, il y a un chèque, et il y a un mot de l'Algérie, il y a un mot de l'Algérie, il y a toujours des clés, il y a un mot de l'Algérie, mais qui dit-il là maintenant, les navires, il y a un mot. La maintenance, vous savez, la maintenance, c'est comme, elle va avoir comme une voiture, et il doit être maintenu régulièrement, même des jours. Il faut toujours la mise à jour, Yann. Bien sûr, il est toujours maintenu, surtout qu'il est dans un milieu hostile. Hein. Elle va voler dans un milieu marin, vous savez, il est calme, demain il est mouvementé, puis bon. Donc la maintenance, c'est une obligation. C'est une obligation pour la compagnie, c'est une obligation faite par le système de management de la sécurité. Nous devons, en tout lieu, et à tout moment, garder notre navire en ce qu'on appelle, dans le jargon maritime, en bon état de navigabilité, en tout lieu. D'où, justement, le contrôle régulier des post-states. Il doit, donc, nous devons prouver au post-state que le navire est en tout lieu, à tout moment, en bon état de navigabilité. S'il y a une petite défaillance, même en matière documentaire, il nous fait une prescription. Voilà, donc la maintenance, le problème, nous avons quelques soucis ici, c'est que quand on a envie d'acheter, quand on a envie pour la maintenance, par exemple, remplacer une pièce de rechange, installer quelque chose, on a des soucis en Algérie. Où lèche la pièce dit Zahir, ou Znouzouyala, nous sommes obligés, il faut aller de l'autre côté, c'est-à-dire en Europe principalement, pour acheter la pièce. Et des guillemets, il n'y a pas de on lèche une serveur à la pièce, et puis pour l'importer, c'est un parcours de combattant quand même. Donc c'est pour ça que vous l'avez dit, vous savez, c'est écrit dans la maintenance des navires, des guillemets, mort non, et sinon il est là, on est guillemets, il est là, il est là, il y a actuellement, ben maintenance, il y a des maintenances qui sont faites. La maintenance, elle est maintenance simple, qui est faite par le bord. Par le navire lui-même, par les marins. Il y a des maintenances qui nécessitent la présence d'ateliers. Il y a de grandes maintenances qui rentrent dans le cadre des visites de navires, qui sont généralement, il y a ce qu'on appelle l'ORENAV. L'ORENAV est une société de réparation navale qui appartient au groupe GATMA. C'est elle qui assure pour les navires NAR, même pour les navires de servitude, les ports et tout, elle assure la réparation des navires nationaux.
Le problème, c'est que même le Rénave, elle a beaucoup de soucis au sein de la pièce. Donc, ils font entrer le navire dans ce qu'on appelle dans le dock flottant, à Béjaïa par exemple. Et ils lui font ce qu'ils font. Pour tout ce qui est oil and gas, ça c'est, il y a une société qui existe varie la CNAN, hein, pour vous dire. Mais maintenant, elle a été, depuis la restructuration de 82, je crois, 82, on a créé une société qui s'appelle IPROC. C'est elle qui fait le transport de tout ce qui est hydrocarbures. C'est IPROC qui se charge. Knalmed, on est spécialisé dans le conteneur, dans le transport de conteneurs. C'est pour ça qu'on a trois porte-conteneurs et deux général cargo. Nous sommes spécialisés dans le porte-conteneur, dans ce qu'on appelle un service de ligne régulière. Ligne régulière, chez le ligne régulière, c'est comme une ligne régulière. Je pars d'Alger, le navire part d'Alger, il fait une ligne entre Alger et Marseille. Il est obligé d'assurer cette ligne. C'est comme un train. Un train, il fait la ligne Harrach Tafora. Les passagers, les usagers Naroulèche, il est obligé de marquer son arrêt. Voilà ce qu'on appelle la ligne régulière, bien sûr, avec des notions de responsabilité. Où il y a tout ce qui est transport de vrac, de céréales, ils le font dans un service complètement opposé. C'est un service, ce qu'on appelle de tromping. Tromping en anglais veut dire vagabondage. Ils le font selon l'offre et la demande, avec des responsabilités liées justement à cette activité précise. Donc on est spécialisé dans la ligne régulière. La ligne régulière conteneur, principalement conteneur. Les conteneurs INSA, et ceux qui sont en exploitation sont des conteneurs loués. Parce que Ougalinsa en propriété, c'est des conteneurs qui ont plus de 20 ans d'âge. Et la limite d'âge d'un conteneur, c'est dans le meilleur des cas, c'est 15 ans. Hein, parce que un conteneur, il est manipulé plusieurs fois. Donc, et comme le conteneur ZAM, comment il est, c'est un engin selon la convention d'Istanbul, il est défini comme un engin de transport. Mais chez le commun des mortels, on l'appelle emballage. Donc nous avons ce souci de nous exploitons les conteneurs. Les conteneurs que nous exploitons sont tous loués, ça nous cause, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent quand c'est loué. Justement, on prévoit d'acquérir un nombre assez intéressant de conteneurs, mais actuellement il y a une crise en matière de disponibilité de conteneurs. En exploitation, propriété actuellement, nous avons 10 000 équivalents 20 pieds que nous exploitons. Parmi les 10 000, nous avons à peu près 2 000 équivalents 20 pieds. Ils sont tellement vieux qu'on ne peut pas. Il y a un chargeur. Pour le chargeur, on verra la conteneur, il est. Je risque d'avoir des problèmes avec la marchandise, donc ils préfèrent ne pas. C'est pour ça que nous perdons quelquefois des clients à cause justement du conteneur. Ce conteneur, un client à cause de l'état du conteneur. Il va chez le concurrent qui lui présente un meilleur conteneur, il le prend. ماسك ديال يعني اذا كان هذا المسلي فين يعني بالك الخساره تنير المضره في دي تقول له البابور ما يحبس يونواس اشحال يعني بالك دي دريمان يا تدريم تاع دي سلاوه نشتيكي بون جو برون ليكزومبل باغ اكزومبل دو
du Sirta. Sirta, il nous coûte, c'est un navire qui nous coûte quotidiennement à peu près 7 000 $. 7 000 $ jour. On appelle ça, toujours dans le jargon maritime, un daily cost. Daily cost, c'est le coût quotidien du navire. Donc le navire, qu'il soit immobilisé ou pas, c'est-à-dire le navire, il nous coûte 7 000 $ jour. Vous imaginez, lorsqu'il n'est pas exploité, ou l'a exploité, donc il doit rapporter au minimum 7 000 $ jour. Juste pour vous dire que, lourdement. Donc d'où l'utilité d'avoir un peu, parce qu'il faut savoir que le transport maritime est un métier. Quand je dis métier, c'est pas, il ne faut pas maîtriser l'aspect maritime en Algérie, parce que ça n'a aucun sens de maîtriser l'aspect maritime. L'aspect maritime, il est d'essence internationale. Donc il faut maîtriser même aussi l'aspect international. Il faut maîtriser, pas avoir des connaissances. Et c'est pour ça que pour le maîtriser, justement pour pouvoir recouvrer la dépense et le coût quotidien du navire, il faut donc savoir vendre. Il a quand même le service du transport maritime. Le transport maritime est très important. C'est vrai que tout le monde a souffert, surtout le monde maritime, sauf que le secteur qui a souffert le plus, c'est le secteur des passages. Le secteur des passages, il y a eu en Algérie, il y a eu un arrêt mexicain en Algérie, partout, il y a eu un arrêt brusque de toutes les dessertes en matière de transport de passage. Pour le transport maritime de marchandises, ça n'a pas beaucoup affecté, au contraire. Certains qui font les grandes lignes de Chine vers les États-Unis, ils ont réussi à doubler le fret maritime de 5 fois le montant d'il y a 2 ans. Un conteneur qui valait 2 500 $, mais tu vois, c'est d'abord 16 000 $. Juste pour vous dire que le malheur des uns fait un peu le bonheur des autres. Aïra, qu'est-ce qui a augmenté le fret, justement, c'est le fait qu'il y ait une rareté dans le conteneur. Il y a une rareté dans le conteneur. La majorité, il y a beaucoup de conteneurs qui ont été immobilisés aux États-Unis, principalement en Californie. Ça a causé cette rareté. Et la relance économique a fait que le fret augmente. Donc il y a eu plus de demandes que d'offres. Tout là, concernant la reprise, c'est vrai que nous avons été affectés. Mais avec la reprise, nous comptons, donc nous ne pouvons pas nous limiter à 5 navires, par exemple, concernant Clanbet. Il a car d'autres capacités pour pouvoir, si on veut gagner une plus grande part de marché, il nous faut d'autres capacités pour pouvoir justement arriver à l'objectif que nous sommes assignés, d'au moins 25% d'ici à l'horizon, par exemple, 2025. لكان يتخاكين مس كوديل لنا علم استفكتوت اللي تكشم يعني لترانسبور ماريتيم الاكونومي ناسيونال شنو زعما هذه اللي تمثل تاكي شو لكان علم يعني سي دريم لا شحال يدي تكشم لترانسبور ماريتيم الاكونومي نتمرث لنا نخدم الحساب اني عام لو فريت ماريتيم مي نكوت ا بوبري 4 مليار دو دولار 4 مليار دو دولار سا ريبريزونت ا بوبري 13% دي امبورتاسيون 13% du volume des échanges du commerce extérieur. Parce qu'à l'échelle mondiale, les échanges mondiaux, le transport maritime représente à peu près 10% des échanges mondiaux. Et le transport maritime, c'est un marché plus valorisant que l'aéronautique et que les télécommunications. Juste pour vous dire que la valeur, le transport maritime coûte à peu près 10 000 milliards d'euros à l'échelle mondiale. En Algérie, ça fait à peu près 4 milliards de dollars. Donc, plus nous gagnons en part de marché, plus nous économisons ces 4 milliards de dollars. Actuellement, nous ne sommes pas très présents, nous sommes à 6%.
Donc nous sommes à 6% de 4 milliards d'euros. Donc il y a des mazali yani ritimi le demi oui de dilien sataqa mais fin mer temas kunti nour din tchi ghida men hal alaya li tkou banit knan mal nafiko banit di lhan sosi wa set sawil na le baba mi tsali tala ala wa fou di gazan inshallah inshallah nmli li ti ala li dan lakin ghan nmsli f temsel tagi transport maritime ki dan di sna fek kunya fin mer wa tfat merci.